cobblestone en tant qu'objet décoratif et comme trophée également. Parce que quand même, c'est la preuve qu'on était dans un donjon, si on est mon shooter. Sur mon serveur, ça va pas rien dire, étant donné qu'on peut acheter la moustone à pas très cher. Là, donc, je suis en train de. Enfin, donc là, c'est pas la préparation de piège, hein. Là, c'est juste que de la récupération de ressources. Voilà. Ouais, mutant. Pour récupérer à l'extérieur c'est clair, mais donc j'y suis. Donc là je vous ennuie peut-être un petit peu, mais bon, je me dis ça sera peut-être utile. Donc je verrai des vidéos sur YouTube pendant une coupure pour voir un petit peu peut-être le meilleur moyen de se servir de la moustone. Je pense que le mieux c'est de mettre la base du bâtiment. Une histoire de voilà, de simuler. Bâtiment qui est comme dans des plantes montantes. Voilà, hop, je ne sais pas ce que c'est la torche. De toute façon, la torche elle va être détruite toute seule une fois que j'aurai commencé à mettre à élaborer un message. Sachant que je suis en train de réfléchir à comment sortir de mon message parce qu'il faut que je parle mieux. Je ne pourrais plus revenir en arrière. Vraiment les 8 torches autour presque nécessaire. Alors, nécessaire parce que si vous en mettez pas assez, bah, une autre spawn quand même. Alors, la spawn, je ne sais plus sur l'outil qui conseille, mais voilà, pour vous encourager c'est tranquille. Donc je pense qu'avec la lumière que j'ai mis, enfin je ne sais pas, mais je pense que même si les araignées apparaissent, on ne serait pas agressif. Quel boulet! Il ne faut pas que je rebouche les deux derniers fragments. Voilà, je recommence. 1, 2, 3, 4, 7, et voilà, c'est 10, exactement, la limite du mur. Est-ce que j'ai de la lumière? Non, j'en ai encore à fondre, je ne sais pas où. Je ne sais plus où j'ai mis à fondre de la lumière. Oh. Ça quand même. Voilà. Bon, je vais continuer à garder la cage. Je rentre plutôt. J'ai même pas vu acheter sa vie. Je vais mettre au sans aucune vulgarité, mais monte ta queue. Ok.
Là, je vais arrêter de déménager depuis le départ. Allez, on va continuer donc là. C'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. J'ai entendu un truc là. C'est quoi? Tomber quelque part, voilà, c'est ça. D'accord, donc mon chien est numéro 32. Donc je ne vois pas vraiment de meubles autour de moi. Bon. Encore et toujours. Allez, on va commencer parce que bien sûr, alors qu'on va pas le contenu. Ben non, pour ça. Ah, l'exception près, c'est ça. Savoir que le passage qui sera donc ici, continue de cible, je peux aller le faire dans le moment. Comment tu es, je serai un ami à la position. Donc, hop. Alors, je vais pouvoir deux autres trucs. Je vais trouver une ferme. Raté. Évidemment, j'en ai fait trop, mais ça va. J'ai des choses. J'ai des choses. Ah oui, c'est des choses que j'ai pas dans le monde. C'est comme l'un et deux sous sur moi. C'est parti.
la lave est retenue par les échelles. Voilà, tout simplement. Donc, je vais peut-être vous expliquer le piège, mais je voulais vous... Donc, voilà. Donc, il manque plus que de l'eau. Tout simplement. Donc, ici... normalement, l'eau, si je mets de l'eau ici, là, ça ne devrait pas empêcher les monstres de se promener. Les araignées vont venir ici, soit tirées par moi, soit tirées par leur flotte. Ici, il va y avoir un second courant d'eau qui va emmener les ennemis ici. Ici, ils vont cramer. Ils vont cramer, mais vous voyez, en hauteur. Donc, les loots qui restent au pied des monstres vont tout simplement tomber. Tomber en bas, et puis, encore avec un dernier courant d'eau, peut-être récupérer les ressources directement à l'endroit. Ou alors il tombe directement aussi, puis en passant, je récupère tout ici. C'est au choix. Donc c'est un système de boucherie. Ce qu'on appelle une boucherie. Je vois que j'ai deux sauts vides. Alors je vais en profiter. Il fait joie. Il fait joie. Et j'ai de l'eau à proximité, donc ça tombe très bien. Donc la glace, une fois cassée, vous donne des sources d'eau. À savoir. Ouais, une source d'eau infinie, c'est ce que je compte me faire. Il y a deux manières de la faire. Donc la plus connue est celle-ci. Celle que j'utilise. La deuxième solution, ça implique de ne pas de faire un sillon de deux cases et en fait mettre une source là et de puiser constamment dans celle du milieu. Mais bon, je ne suis pas forcément là. Vous voyez, je peux utiliser l'eau à outrance. Donc c'est simple, une source d'eau dans un coin et en diagonale. Bon, on est deux années plus tard. A perdu plus tard. RIP. Ce qui me fait beaucoup de...